Concrètement, j'étais à l'Athénée Royal de Juilly en section économique. J'ai décidé de continuer dans cette voie puisque ces études me plaisaient. Et j'ai choisi le campus de Charleroi pour des raisons de facilité puisque j'habite dans cette région. On est plus dans un nombre plus restreint en classe, ben c'est plus facile pour interagir avec les profs et pour passer d'Aréto à la première universitaire. Nous sommes présents à Charleroi depuis 30 ans, effectivement. D'abord parce que Charleroi est une ville importante, avec une population importante, la première ville de Wallonie et bien sûr la première ville du Hainaut. Sur le campus de Charleroi, il y a d'abord des formations de jour qui sont destinées aux jeunes étudiants qui sortent d'humanité. Il y a la première année du bachelier ingénieur civil qui conduit ensuite, mais à Mons, au bachelier ingénieur civil et au master ingénieur civil. Il y a les trois années de bachelier en sciences de gestion qui se poursuivent ensuite à Mons, qui donnent accès à Mons au master en sciences de gestion. Et il y a le master en sciences biochimiques. Je suis enseignante depuis 2 ans dans la région de Charleroi. Je suis professeure de sciences. Je suis en train de suivre une année préparatoire en sciences de l'éducation pour après pouvoir faire mon master en sciences de l'éducation. Le fait de revoir de manière théorique des aspects que je connais très bien d'un point de vue pratique me permet, je dirais, de mieux stabiliser mes connaissances et ça me permet d'avancer un peu mieux. C'est un peu une évolution dans ma carrière. Je stagnais un petit peu et j'avais envie d'aller un peu plus loin, un peu plus haut dans le poste et voilà. J'avais la possibilité de postuler pour le poste d'inspection et un diplôme supplémentaire est toujours le bienvenu. En horaire décalé, il y a 4 formations qui sont uniquement au niveau des masters, donc qui sont accessibles à des étudiants ou à des personnes qui ont quitté les études depuis un certain temps et qui souhaitent reprendre des études. D'abord dans le domaine de l'informatique, le master en sciences informatiques développé par la faculté des sciences ou le master en informatique et gestion qui est développé par la faculté polytechnique. Il y a aussi le master en sciences de gestion et le bachelier et le master en sciences psychologiques et de l'éducation pour le bachelier, le master en sciences de l'éducation.